Bienvenue à ce nouveau flash d'information. Le président du tiers du Sénat, Joseph Lambert, a été attaqué ce dimanche 8 janvier 2023 à La Saline au bicentenaire par des hommes lourdement armés. L'élu du département du Sud-Est sorti grièvement blessé, toutefois sa vie n'est pas en danger selon les informations disponibles. Le sénateur sortait du Parlement haïtien au moment de l'incident. Les agresseurs auraient emporté le véhicule à bord duquel il se trouvait, d'après des témoins. Une attaque survenue quelques heures avant la fin du mandat du tiers du Sénat de la République, le lundi 9 janvier, selon les prescrits de la Constitution haïtienne. Cormel de Ronceret pour Orpi TV.